Je m'adresse aujourd'hui aux jeunes de l'Église, à la prêtrise d'Aaron et aux jeunes filles, afin de vous enseigner une leçon difficile à apprendre. Je vais vous raconter une expérience. Je me suis toujours intéressé aux animaux et aux oiseaux. Quand j'ai appris à lire, j'ai trouvé des livres sur les oiseaux et les animaux, et j'ai beaucoup appris sur eux. Quand j'étais adolescent, je savais reconnaître la plupart des animaux d'Afrique. Je pouvais distinguer une antilope d'un impala, un chamois du Cap d'un gnou. J'ai toujours voulu aller en Afrique et voir les animaux, et l'occasion s'est enfin présentée. Il faisait très sec en cette période de l'année et il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il n'y avait en fait que quelques endroits boueux. Nous nous sommes arrêtés à un point d'eau pour regarder les animaux qui venaient boire. Les antilopes en particulier étaient très nerveuses. Elles approchaient du point d'eau, puis faisaient demi-tour et s'enfuyaient, effrayées. Comme il n'y avait pas de lion en vue, j'ai demandé au guide pourquoi elles ne buvaient pas. Il m'a répondu, et voilà la leçon, crocodile. En pensant qu'il plaisantait, je lui ai demandé sérieusement, quel est le problème? Il a répondu de nouveau, crocodile. J'ai dit sans réfléchir, c'est stupide, il n'y a pas de crocodile ici, n'importe qui peut le voir. Voyant que je ne le croyais pas, et décidé, je pense, à m'enseigner une leçon, il nous a conduits à un autre endroit. Tenez, m'a-t-il dit, voyez vous-même. Je ne voyais rien que de la boue et un peu d'eau. Puis, tout à coup, je l'ai vu. Un gros crocodile enfoui dans la boue, attendant qu'un animal inconscient du danger ait suffisamment soif pour venir boire. Le guide m'a dit, il y a des crocodiles dans tout le parc, pas seulement dans les rivières. Il n'y a pas le moindre point d'eau où il n'y ait pas de crocodile à proximité. Attendez-vous à les rencontrer. Lors d'un autre voyage en Afrique, j'ai parlé de cette expérience avec un garde-chasse dans un autre parc. Il m'a montré un endroit où s'était déroulé un drame. Un jeune Anglais visitait le camp pendant la saison. Malgré les avertissements constants et répétés du guide, il a décidé de se livrer à des explorations au-delà de la clôture du camp. Salut Ben. Salut mon ami. Tu travailles encore sur cet engin? Toujours. Toujours.
Mes jeunes amis, ceux qui sont plus âgés que vous ont un peu sondé les trous d'eau. Et ils vous mettent en garde contre les crocodiles. Pas seulement contre les grands lézards gris qui peuvent vous mettre en pièces, mais contre les crocodiles spirituels, infiniment plus dangereux et trompeurs, et moins visibles que les reptiles bien camouflés d'Afrique. Ces crocodiles spirituels peuvent tuer ou mutiler votre âme. Ils peuvent détruire la paix de votre esprit et la paix de l'esprit de ceux qui vous aiment. C'est contre eux qu'il convient d'être mis en garde. Aujourd'hui, il n'y a pas un trou d'eau de notre monde qui n'en soit pas infesté.